Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la colère des Manchus. Alors, comme prévu, j'ai fait un backup, et comme vous pouvez le voir, pendant une semaine, il n'y en a pas eu. Alors, c'est parce que j'étais très occupé, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais voilà, maintenant il y en a, donc c'est très bon. Ok, il faut ça. Alors, on va essayer de rapidement finir cette guerre. Et essayer d'avoir des alliances. Pourquoi? Parce qu'il faut pas... fermer, oui. Il ne faut pas que les Russes viennent contre nous. Ils sont contre nous, mais il faut qu'on ait des alliés pour se défendre. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Objectif, se défendre des ennemis. Hop, on réembarque ceci et on va envoyer les... On enverra les 21 000 très rapidement défendre l'île. Est-ce qu'ici je pourrais demander une paix blanche? Non, il ne veut pas de paix blanche, d'accord. On peut attendre. Et on verra ce qu'on fait. Hop, on va baisser certains forts. Hop, ici, on va le prendre, hein. Parlementarisme, agitation dans le pays, moins 1. Absolutisme maximal, plus 5, déclin de la tradition, ou productivité. Ah, productivité serait bien. Mais je pense que je vais partir sur parlementarisme. J'avais pas fait ça la première fois, mais c'est ce que je vais faire cette fois-ci. Voilà. Alors, ici, ils me disent qu'il n'y a aucune proposition et il y a trop peu de sièges au Parlement. Donc, alors, est-ce qu'on a un siège à Pékin? On n'avait pas de siège à Pékin, on a un siège à Pékin. On va mettre un siège en Corée aussi. Non. Ah, ça doit être que dans nos provinces, comme ça. Ok, bon, on va aller mettre un siège à Yéhé. Un siège à Korchine? Non. Il m'en manque combien? Il faut 10 sièges et il n'y en a que 2. Ah, c'est peut-être par province. Je sais pas. Ah non, c'est pas par province. Bon, on va continuer. Hein. Hop. Ici, non. Là, non. Leizhou, non. Par contre, on peut ici. Très bien. Chengyang, je mets. On est à combien? On est à... 6 sur 10. Yeah, donc ici. Très bien. On est à 9, 8 sur 10. 9 sur 10. Et 10, non, pas 10, ici, Jianzhou. Très bien. Alors ça, ben ça, on peut pas trop lutter pour le moment. De toute façon, ça arrête pas de monter, d'accord. Ah, c'est parce qu'on en a ici. Alors, si on regarde ensuite, Parlement, proposer une loi, instable, recouvrement des réserves. Ici, on a quoi? Recrutement de marins, vassaux, conversion culturelle. Ben, je vais prendre le soutien à l'effort de guerre. Actuellement, on a 60% de chances de voix. Alors ici, si je fais soutien populiste, c'est moins 5 de réforme gouvernementale. Actuellement, 11. On va le faire. Perte de... Non, ça, on va pas le faire. 10 en puissance administrative, je peux. Ignorer la corruption, on va éviter. Là, on a 4... Ah, soutien militaire ou ignorer la corruption, régiments provinciaux. Soutien militaire. Province, est... la loi est passée. Très bien. Shun nous déclare la guerre. Oh fuck. Bon, on est directement dans cette guerre alors. Voilà, très bien. Ça c'est bon. Alors, toi tu vas venir ici. Eux vont nous débarrasser de nos rebelles. Alors on a qui? On a dans cette guerre ici, on a
Shun Shippo, d'accord. C'est eux? Non, Shippo. C'est une connerie genre ça, c'est ça. Très bien. Ici, on va te mettre en commandant. Toi, viens ici. Et toi, tu vas aller... là. Très bien. Ici, on est à 100%. Donc, je vais te demander toute ta thune. Je vais te demander... non. À Shun, non. De libérer Miao et Shu. Demander des réparations de guerre. Et je vais te prendre ceci. Non, même pas. Je vais rien te prendre. Par contre, je vais t'obliger de mettre fin à ta rivalité. Très bien. Oui, non, ça sert à rien. On va les laisser se débrouiller là-bas. Donc ça veut dire qu'on n'est plus allié avec Delif vu qu'il a refusé l'appel à la guerre. Ouais. Est-ce que je peux demander une paix blanche? Moins 25. Non. Moins 30. Moins 40. On a joué... bah on va leur demander de réagir. Ici, on va envoyer Cam. Là, on va envoyer Yue. Et ici, on va envoyer... Dali. Non, Yue aussi, ok. On va mettre Yue là. Regarde la guerre, c'est Shun. Ah, fuck. Donc, on avait dit quoi? Shun... ah, ok. On a une connerie, genre, dans ce coin-ci. C'est ça, une connerie, là. On va demander à Cam de venir ici, plutôt. Hop, on divise en deux. Je sais quoi, j'ai envoyé améliorer mes relations avec lui. On sait jamais. Accordons un siège à Yangzhou. Par contre, les 5000 hommes, on peut pas les laisser ici. Ça, c'est quoi? C'est 17. On tente? Non, on a beaucoup trop de transport. Toi, ce que tu vas faire, c'est venir là-bas. Tu vas te camoufler. Hop, ici. Et ici. Oui, non, ça sert à rien, c'est pas grave. Notre objectif, c'est la paix blanche. Rapidement avoir la paix blanche. Très bien, ça c'est fait. Donc on va venir ici. Et on va s'emparer de son pays. L'y laisser, oui. Alors, est-ce qu'on peut pas prendre, en attendant, pour essayer d'éponger l'hémorragie, ceci? Ce sera mieux. Et toi? Hop. Ici, on a plus combien? On va attendre. Une fois qu'on a maximisé les relations avec l'Espagne, on la rappelle et on essaie de... comment dire? De mettre fin avec une paix blanche. Je veux une paix blanche. C'est tout. Très bien, ici on va avoir le truc, on aura la capitale juste après.
Alors, concernant... Ben non, ils en ont rien à foutre, j'ai l'impression, des rebelles. Il y a 40 000 japonais, mais rien à faire des rebelles. Hop, on va passer par ici et lui ira par là. Non, c'est quoi? Tu vas pas gaspiller tes forces. Allez, c'est parti. Toi, tu vas là-haut. Toi, tu vas ici. 99, mois suivant, c'est bon. Et avec l'Espagne en allié, j'espère pouvoir empêcher les Russes de m'attaquer, en fait. Ok, d'accord. Le faire revenir. Ah oui, 100 jours. On a le temps de bien foncer là-dessus. Là, ça avance, hein. On prend des trucs. Voilà, 24% de victoire. Je pense qu'on pourra même tirer un peu de thunes, si tout va bien. Toujours pas, 57% là-bas. Et là, ça commence à être tendu. Ah, très bien, ils ont jarté les rebelles. Exactement ce que j'attends. Oh, fuck. Bien. Dix jours et on peut voir ce qu'on peut obtenir comme paix déjà. Là, ils sont en train d'épuiser leurs troupes. Non, pas besoin de presse. Alors, qu'est-ce que je peux obtenir comme paix? Pour le moment, rien. D'accord. Viens ici. Et toi, est-ce que je peux obtenir une paix blanche? Non, mais ça se rapproche. Très bien, des soucis en moins. Moins 32, ils sont vraiment, ils ont vraiment pas envie. Hein. Ah oui, mais ils ont les deux côtés, ça sert à rien que j'essaie de leur bloquer l'accès. Tu viens ici? Très bien. Et ici, ça veut bien. Franchement, tu me sors, tu gagnes. Hein. Tu t'as défoncé Delhi, ben tant mieux, tant pis pour lui. 10 000 de réserve, mais 15... Oui, j'ai besoin de réserve, oui. Très bien, eux m'attaquent. Ben, c'est parfait. Si on a un siège en plus... Je les ai battus. Alors. Toujours maximum, ok. Eh bien, on va essayer de chasser. Par là. Hein. Moins 14, on aura la paix avec. Ah, on a rappelé. Oui, l'Espagne, il faut que je regarde.
Alliance, combien de chances? Moins 1032. Ouais. Puissance de mon armée, ça va pas aider. Et le Portugal, on sait jamais. Hein. Moins 2000. Moins 6, on a la paix blanche. Allez, dis-moi que celui-ci, on peut avoir la paix. Non, toujours pas. Moins 5. Mais je suis sûr, en récupérant ceci, je vais même accélérer le truc. Ben, ça va nous permettre de nous débrouiller. Hop, ici je peux prendre quoi? Je peux prendre efficacité de l'artillerie, hop, et efficacité administrative. Moins 4. C'est risqué pour ceux-ci, hein. Ouais, ils sont défoncés. Ah oui, d'accord, on a le jaune pour qui va être chez moi maintenant. Viens récupérer ceci. Alors, ça donne quoi maintenant? Là, on peut avoir... Est-ce qu'on peut prendre toute la thune? Non, mais on est qu'à moins 2 d'avoir de la thune. Moins 1 d'avoir de la thune. Et toi, tu veux pas une paix blanche? Moins 17, donc t'es toujours motivé par ta guerre. Ouh, fuck. J'ai fait une grosse connerie, là. Ici. Moins 2. Ouais, parce que niveau thune, ça va être galère. L'île C, oui. Zéro. Ah, on a perdu en général. Hop. Moins 1. Moins 21. Et si je demande... Si je demande pas de thunes, ça va. Je peux demander... Ouais, mais ça, ça va pas. Moins 10. Fin de la guerre est proche. Ah, très bien, cette guerre est terminée. Ici, moi ce que je voulais c'était toute la thune. Donc on va les chasser encore une fois. Sauf qu'ici en plus on est sur un fort, donc on va pouvoir sortir des hommes. Ce qui est très pratique. Hop, ah, vous avez entendu Discord. Ça, c'est pas normal. Ouais, ça, c'est pas normal. Hop, ici. Ah, là, tu me donnes ta thune, d'accord. Est-ce que tu me donnes les tu me donnes les réparations de guerre? Ça, ça va être très pratique. Et ce que j'aimerais, c'est ceci. Non, tu donnes pas.
Si je te demande, pas les réparations de guerre. Ouais, c'est soit de la réparation de guerre, soit... Et là, un qui voudrait 5. Là, j'ai rien. Vous savez quoi? Je vais accepter ça. Ah, ici, il y en a un qui s'est fait plaisir. Chou. Est-ce que je suis en trêve? Oui, on est en trêve. Acceptons les présents. Japon m'a annoncé comme son rival, très bien, mais moi ce que j'aimerais c'est pas d'alliance possible, non, avec le Portugal. Pas d'alliance possible, ok. Il faut que j'annonce mon nouveau rival, ben ce sera le Japon. Attends, non. Qui sont les rivaux de l'Espagne? Ottoman, Russie, Mamelouk. Moi j'ai Mamelouk, Perse. je peux pas mettre l'Ottoman, mais je peux mettre... Oh, je vais mettre Brunei, tant pis. Ah, quoique, si je mets Russie, de toute façon, ils me détestent. Ouais, mais je peux pas, je vais mettre Brunei. Donc, pas possibilité. Non, attitude neutre. Niveau thune. Voilà. Et vu que j'ai un peu d'argent, ce que j'aimerais, c'est construire un fort là-haut et un fort là-haut. Pourquoi? Pour me défendre. Non. Là, on va abandonner cette idée. Si on garde 400 pièces, ce sera utile pour construire. Trêve avec Russie, c'est terminé. Voilà. Il me faut absolument un allié. Offre d'alliance. J'ai Delhi, Transoxiane. C'est quoi? Je vais les prendre. Hein. Delhi, oui. J'ai rappelé lui. Ouais, je vais le rappeler. Bah, ils sont défoncés par la Perse. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais ça me fait des alliés. Perse me déteste. Vyajnagara, tu ne m'aimes pas trop. Est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir une alliance? Non. Par contre, Transoxiane, je peux. On va accepter qu'il passe. Ici, relation diplomatique plus 1. Ça fait que j'ai plus la relation de trop normalement. Niveau colonie, on était ici. Très bien. Ouais. On va les laisser coloniser ce coin-là. Est-ce que je pourrais pas abandonner ce truc-là? Non, je pense pas. Je peux pas abandonner la province? Non, tant pis. 99, hein. Si je le fais, je me tape des soucis, mais... Est-ce que je peux intégrer Dali? Dali, j'ai 200, donc j'ai exigé l'annexion. Combien? Ah ben voilà, ça direct. Voilà. Un souci de moins, enfin, un vassal de moins, donc j'ai droit à une nouvelle relation. Offre d'alliance, qui serait les plus puissants? En Europe, il n'y a personne qui veut d'alliance, hein. Ah, Grande-Bretagne, tu m'aimes comment? Tu veux nos provinces, mais on pourrait essayer d'améliorer les relations avec toi. C'est quoi? C'est ce que je vais faire. Améliorer les relations. Pourquoi? Actuellement, on est à... Oui, t'es hostile. Mais si j'augmente assez... Et je vais offrir une relation avec Transoxiane. Brunei est allié à beaucoup trop de monde. Très bien. Japon allié avec la Russie, c'est mort. Est-ce qu'on a laissé un tout petit peu pour permettre aux troupes que l'on a de se remonter? Oui, on a mis à 50%, c'est très bien. Alors ça c'est quoi? Ça c'est ceci, donc toi je vais t'envoyer ici. Alors renvoyons-le, moins 3 d'administration, mais 5 en mandat et 1 stab. Ou alors, perdre... Accordons un, oui j'accepte. Propagation d'institution, oui je vais faire ça, plus 9 en harmonisation. C'est-à-dire qu'on a bientôt harmonisé ceci. Bah on a 100%, donc on a harmonisé le mois prochain.
Moins 5% sur le coût des conseillers. Alors, qui puis-je harmoniser? Je peux harmoniser les Shinto qui vont me donner croissement d'unité religieuse 1.4% et celui-ci va me donner 0.8. Coût de doctrine, combativité de l'infanterie. Oui. Toi, on va te donner un général. Alors ici, on est à 10, 10. Ah, c'est bien, ça, on a une bonne flotte. Et prochaine étape, ce sera de dès qu'on a assez, reconstituer une quatrième armée. Au niveau des doctrines, ouais, on a un peu de retard, mais ça va. Enfin, c'est surtout à cause de ça. Il nous faut 2000 pièces. Et on a plus... Si, on a lui qui... C'est ça, mais il doit pas nous donner d'argent. Mais c'est lui qui nous donne la thune, c'est pas avant 48. Ok. Ici, je peux adopter... Doctrine. Je vais le faire, Doctrine d'Outre-mer. Ça me donne un marchand de plus qui devrait me permettre de mieux gérer. Par exemple, celui-ci, on va transférer la puissance commerciale. Direction Pékin. Toi, est-ce que je... Non, toi, je vais améliorer mes relations avec toi. Très bien. L'anglais... Ouf, l'anglais qui a la moitié de l'Europe. Non, toujours hostile. Moi, est-ce que je peux... Non, je pourrais pas dire, il faut plus 50. Donc, dès que j'ai plus 50 avec les Anglais, je dis que je suis pote avec eux. Est-ce qu'on a un mariage? On a un mariage royal, donc ils me détestent vraiment. Cam? Cam, est-ce que je peux t'exiger l'annexion? Oui, je pourrais t'exiger l'annexion. Enfin, il faudrait remonter un peu les relations, mais je pourrais exiger l'annexion de Cam. Vassalisation. Non, là t'es pas chaud. Toi tu veux passer. Oui, si tu veux. Même chose pour toi, je m'en fous. Réellement. Là je suis dans une phase où eux ne m'attaquent pas, donc c'est parfait. Mariage avec Transoxiane, très bien. Eux aussi, ah oui, eux il faut que je les intègre. Ils ont plus rien à me faire. Ce qu'on peut faire pour se faire plus de thunes, c'est baisser toutes les forteresses. Voilà, on se fait un plus 20. Si je regarde ici... On est plutôt bien. Franchement, moi, il n'y a qu'une chose qui me manque, c'est de pouvoir faire une autre armée. Donc, il me faut des réserves militaires. Est-ce que je peux monter au max sans être dans le rouge? Je peux monter au max sans être dans le rouge, c'est très bien. Donc, je vais mettre tout le monde en entraînement. Hop, et là, je vais attendre que tout soit rempli et puis je pourrais me créer une autre armée. Ce que je peux faire, c'est du combien? C'est du 12-6-3 en armée, créer un modèle... 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Je l'ai appelé armée 1. A1. Et ainsi, je vais essayer de monter à 45% aussi. Ce serait bien. Je peux... Non, j'ai besoin de points pour établir des états, donc ça attendra. Est-ce que je pourrais éventuellement... Ouf, ici, regardons. Non, pas encore, pas la tech. Et ici, j'en ai à 0.20. Oui, je le fais. Là, j'en ai à 0.30. On va le faire sans hésiter. Entrepôt commercial, pas encore. Terrain d'entraînement. Plus 3500. On a utilisé tout l'argent qu'on avait, mais c'est pour développer notre pays. Ça redescend déjà. Oh, sérieusement. Allez, on va s'en occuper. Par contre, une chose que je vais diminuer parce que ça me tue les oreilles, c'est... Voilà. J'espère que vous l'entendez encore assez, mais la musique est extrêmement forte, donc... Allié à Shun. Mais ça, c'est parfait.
Faites-vous des alliances entre vous, chou. Je peux pas te déclarer la guerre avant 56. 10 ans à attendre et puis je te déclare la guerre. T'inquiète pas que je vais en profiter. Hein. Alors ceux qu'on a mis canton, pour le moment, on tire pas beaucoup d'argent de canton. Hein. Euh, 167, oui, on peut arriver facilement à ce dont on a besoin. Ah, on a des pirates de Brunei. Ici. Option de mission, réparer, légèrement endommagé, tu vas te réparer. Non, option de mission, n'importe quel dommage, tu vas te réparer. Non, ici on va attendre, on va se faire pas mal d'argent, je pense. Avec toutes les constructions. Un de réserve ou deux de réserve. Un de réserve, c'est très bien déjà. Ils ont pas honte. Hein. Allez, on va s'en occuper. Ils vont aller... Non, ils vont à 20... D'accord. Ils vont se démolir la face là-dessus. Comme ça. Combien je droit de bateau supplémentaire? Droit encore à 9. Je vais faire 5 de plus. Voilà. Comme ça, j'ai utilisé l'argent à bon escient. Notre dévoué réformateur est mort. On peut avoir quoi maintenant? Droit de douane plus 10%, ça ne m'intéresse pas. Bah, je vais rien faire. Hein. Personne, alors. Avec les Anglais. Dire que je suis en bon terme avec toi. Le Portugal, t'es toujours hostile? Toujours hostile. Espagne. On serait loin d'une alliance, Espagne. Moins 46, ouais. C'est compliqué, hein. Ottoman, on n'est pas ennemi. Est-ce qu'un jour, on aurait une possibilité d'alliance? Moins... Ouais, non, trop loin. Alors, Delhi, maintenant, t'es mon allié. Donc, on va rester ça comme ça. Parfait, on démolit, puis on retourne et on va se réentraîner. Et ensuite, construction d'une armée. Par contre, je vois qu'on est déjà une demi-heure. Donc nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.